reparti. Alors, j'ai eu un bug dans, dans ma capture vidéo, mais c'est pas grave, de toute façon, il n'y avait rien de très important qui n'a pas été filmé, hein. Alors, j'ai juste eu une énorme VDM, c'est qu'un creeper est arrivé et m'a explosé à la gueule. Il a fait un combo, vu qu'il y avait un autre creeper qui était juste derrière, et à cause des deux, là, bah, j'avais perdu mon atelier, donc j'ai dû remonter une deuxième fois. On va faire, donc on a les lingots, et maintenant on va faire la pioche et l'épée. Et oui, parce que je suis quelqu'un de très prévoyant. Et pourquoi est-ce que j'ai fait une épée en pierre? Parce que je suis quelqu'un de très stupide quand je veux. Tac, tac, tac. On va voir, ok. Alors, maintenant qu'on a notre fameux truc en fer, on va faire un machin. Je vais mettre mon diams là-dedans à chaque fois. Et alors, évidemment, j'avais prévu tout, hein. Boum. Quelqu'un? Personne? J'ai la paix? Bon, bah, on mine. Je vérifie tout le temps qu'il n'y ait personne. Oh. Oh. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Peut-être qu'il y en a un cinquième. Ah, bon d'accord. Mais ça me va. Franchement, là on est bien. Là on est bien. Je suis désolée, je vais faire un truc. Mais je suis parano sur ce point. On va faire un truc, c'est que je vais me mettre. Oh putain. Oh putain, je le vois. Vous voyez cet enculé? Oh non, ça va, c'est quand même. Je crois que c'est un enculé. C'est rare les fois où je me fais tuer par des zombies. C'est très rare. Ben, en même temps, c'est la base, quoi. C'est ce qui est. C'est basique. Et dur. Oui, j'avais très très besoin de ça. Alors, j'utilise beaucoup la technique du saut. Mais en même temps, vous avouerez que c'est quand même pratique. Hein. Et puis, vous gaspillez même pas de l'eau. On va lui dire bonjour. Eh, what the fuck? Au pire, c'est pas grave s'il explose un truc. Allez, c'est déjà plus simple. Je vais pas me perdre. Je suis froussard là pour le coup. Je sais pas trop où je vais, alors je veux pas me perdre. Je veux pas du tout me perdre. Ok, bon.
Bon, je sens le dédale. Donc, on n'y va pas. Je commence déjà à re-avoir faim. Enfin, on dirait que je suis en mode difficile, tellement il y a besoin de bouffe. Attends, c'est grave. Pourtant, je suis un faiblard, je me suis mis en mode facile. Mais bon, même en mode facile, le jeu a ses difficultés. Oh putain. Oh putain. Ah putain, non. Laissez-moi respirer. Bon, ok. Je vous jure que là, j'ai eu très très peur. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça c'est fait. D'accord, lui, il est là. Sentez un truc comme ça. Je sais pas trop comment l'atteindre. Dans ma cobble, à mon avis. Ouais, mais non. C'est trop risqué parce qu'il y a une araignée surtout. Juste à côté. Qui me fait très peur, je vous l'avoue. Mais cette vague d'ennemis. Putain, mais j'ai rien compris. Hein. J'avais pas le temps de comprendre. Bon, au moins ça aura fait votre dose d'action de la journée. Il y a beaucoup de redstone ici. C'est tendant. D'accord, donc au moins ça fait un endroit visible qui ne nécessite pas de torche. Je vais bloquer juste les petits trous parce que ça c'est vraiment le genre de truc pute qui va te faire chier tout le long du jeu. Donc je les bloque. Voilà. Maintenant je peux miner. Alors je vais faire une petite ellipse quand même parce qu'il y a beaucoup de, redstone. Allez, à tout de suite. Ah, le genre de choses pour lesquelles je ne creuse jamais sous mes pieds. Mais c'est qu'on est riche. Mais c'est qu'on est complètement riche. Parce que je crois qu'il me faut peut-être une vingtaine de lingots d'or pour faire... ce que je voulais faire pour les rails.
Et après, bon, il faut beaucoup de fer, mais ça se trouve, le fer. C'est vraiment là, c'est impressionnant tout ce que j'ai chopé comme minerai. On va remonter. On va remonter, ellipse. Là, normalement, on est bien. On va être bien. Avec carrément le jour qui se lève. Boum. Allez, tu peux me suivre, les bêtes. Pourquoi est-ce assise là? Je te donne même de la viande de Zumba. Tu peux être content. Allez! Oh, mais c'est que j'ai reçu un arc! Un arc complètement pété, mais un arc! Et vous savez quoi? Il est temps. Il est temps de faire les trophées que j'ai préparés. Donc, première chose, on va faire. Alors, j'ai un choix. Soit je fais ma table d'enchant, mais par contre, j'ai assez peu de chances de trouver rapidement un diamant comme ce que je viens de trouver. Soit je me fais une pioche, on peut commencer à aller dans Never et on va faire ce qu'on veut. Alors vous savez quoi? Je sais pas vraiment. Donc je vais vous laisser le choix dans les commentaires. Ça a l'air fou comme ça, mais je vous jure, je sais vraiment pas en fait ce que je vais faire. Donc je vous laisse choisir dans les cops. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, je vais faire quelque chose que je sais ce que j'allais faire. Donc déjà, ça, il va venir là. Ça, c'est notre nouveau copain de voyage. Bon bah, écoutez, c'est notre nouveau compagnon de voyage quand on veut, hein. Ça va les chiens, comme vous voulez? Ok, bon, c'est pas grave. On leur en veut pas, hein. C'est des chiens après tout. Oh oui, c'est vrai que. Regardez. Qui c'est qui va manger? Regardez, on va tuer. On va tuer un piggy. Déjà, ça va nous faire un nouveau trophée, je pense. Regardez ça. Alors, je vais leur donner une viande de zombie. Et ça. Attention, bébé. Oui. Non. D'accord. Alors, attendez. Ça veut dire que cinq loups, en fait, c'est des loups qui viennent du monde du vrai. D'accord. Bon, ça au moins. Je le saurai. Bon, je sais pas si on fera tout alors sur cette map, hein, mais voilà, on va commencer. Donc, il est temps. Il est temps de faire, déjà, avec la canne à sucre, on va préparer ce qu'on va faire pour un gâteau. Avec le fer qu'on a récupéré, on va préparer. Dites, j'ai bien récupéré du fer. Oui. Attendez, Kiki, quoi? Eh? 2 secondes. Minerai de fer, tac 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 tac. Je vais peut-être faire plus de coffres pour l'organisation, mais ça c'est pas pareil. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de trucs. Bon, attendez, 2 secondes, problème technique. Non, c'est bon. Pas de problème technique en fait, c'est bon. Non, parce que le problème technique chez moi, ça veut dire tellement de bruit qu'il faut que j'aille le calmer, quoi. Faut pas vraiment chercher, hein. Bon, problème technique, ça peut être quoi? Ça peut être un téléphone, ça peut être quelque chose qui est en lien avec notre identité, ça peut être quoi? Il y a pas mal de choses en fait qui se regroupent dans le problème technique, donc vous inquiétez pas, hein. Souvent je fais des ellipses, tout ça, pour les passages chiants et pour aussi éviter. Qu'il y ait des problèmes d'identité ou des gens qui veulent pas qu'on donne leur identité parce que ça existe. Tout le monde.
Je vous rappelle le choix que vous allez pouvoir faire dans les comms. Je vous le rappelle, nous avons le choix entre une pioche en diamant et une table d'enchantement. Je vous laisserai faire ce choix dans les comms. Je vais faire des bouquins. C'est important d'avoir des bouquins. Déjà pas mal de cuir en plus, c'est parfait. C'est parfait. Mes amis, les livres. Oula, mais c'est vraiment du stuff, dis donc. Alors, pourquoi j'ai fait des livres? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y en a qui me serviront pour faire des bibliothèques. Et il y en a d'autres qui me serviront à faire. Ah mais non, mais c'est pas des bouquins. C'est pas des bouquins qu'il me faut. Ah mais non, c'est du papier. Attendez, deux secondes, première technique. Donc voilà, j'ai fait du papier. Ce papier va me servir à préparer un petit truc qui est tellement coolos. Il me faut du fer. Bah, il est en train de chauffer. Non, c'est pas le fer qui est en train de chauffer. Là, il va être en train de chauffer. Je sais pas trop ce que je pourrais faire en attendant. Alors, je vais faire un truc en attendant, c'est que je vais délimiter un périmètre pour la maison. Voilà. Je vais délimiter le périmètre. Donc, la maison, on a décidé de la construire sous une forme telle que là, on aurait 4 blocs sur la largeur, donc 1, 2, 3, 4. Le cinquième, il reste là. Le cinquième relie la maison comme ça, vous voyez. En gros, là, il y a un truc en... Je ne saurais pas trop l'expliquer. Oh, bah, il fallait pas se mettre là aussi. Oh, bête. Prenons mon lit, voilà. Je mets là, l'autre là, il est embêtant. C'est pas grave, Mathieu, si tu regardes cette vidéo, on redéplacera ton lit, hein. Ne t'inquiète pas. Ça m'énerve, il a des doigts, à force. Ça devient très pète dur. Et... ça aussi, c'est un peu chiant. Donc là, plus de minage pour un certain temps. Hein. Ou alors, c'est pas moi qui le fais. Hein. J'aurais des larbins pour ça. Je rigole. Ok, c'est moi qui m'en fous. C'était préparé. Manger un peu. Donc on va essayer de récupérer un disque Vitos. Donc on va faire la boussole qui va nous mener à la map. Et cette map, je vais la sortir. Et là, boum! Boum. Ce qui
fait que là, je vois un peu la région dans laquelle je me trouve. Et comme ça, je vais pouvoir me repérer un petit peu par rapport au biome. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Donc je vous signale qu'on a fait notre objectif principal. On a fait beaucoup de choses. D'ici la prochaine fois, je vous ai demandé ce que vous voulez que je fasse en commentaire. Répondez-moi s'il vous plaît ce que vous voulez que je fasse comme objet. Soit, je vous rappelle, je fais l'enchant et dans ce cas-là, je ne peux pas aller dans le Never tout de suite. Mais par contre, j'aurai des équipements plus cheatés et peut-être que j'aurai plus de facilité à faire certains trophées. Ou alors, je fais direct la pioche en diamant et je vais dans le portail du Never. On a le choix. Bon, sur ce, je vais tuer cette witch et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, grabez bien !